voilà, l'hymne national de la Guinée, très bien exécuté. Et puis pour cette demi-finale, nous aurons un trio. Allez, dans quelques instants, ça va partir pour cette première demi-finale. Du U18 Man African Championship entre la Guinée et le Sénégal. Bien rentrer le maillot dans le short pour ces jeunes joueurs. Et ça va partir dans quelques secondes. L'entre-deux initial. Et ça y est, c'est le début de ce match. Les Sénégalais en blanc et les Guinéens en maillot noir. Oula. Match du numéro 8, Khalifa Aboubakar Diop. Premier ballon perdu pour les Sénégalais.
Et les Guinéens qui repartent à l'assaut avec ce jeune meneur de jeu, hein, Labarrère. Labarrère qui joue au club de Blois en France. Mehdi Labarrère, très très bon organisateur de jeu qui met en place le système. Attention, passage en force aussi. C'est un ballon perdu de chaque côté. Pas de panier pour l'instant. Les choses sont parties petitement, on va dire, dans ce match. Et les Sénégalais à la remontée. Les équipes sont en défense homme à homme. Tentative de drive là, manquée par Fallou Gay. On se bat pour le rebond et récupération sénégalaise. Ballon perdu, nouveau ballon perdu. Oh, un one sur la contre-attaque. Sur la contre-attaque guinéenne, Ibrahima Diallo qui marque le panier avec le lancer franc bonus. Et les Guinéens qui vont ouvrir donc la marque. 2-0 pour les Guinéens. Joli coast-to-coast là d'Ibrahima Diallo. Le lancer bonus derrière. Allez, on va repartir. Pour l'instant, on va dire que c'est un round d'observation. Mehdi Labarrère, il est contré. Il est contré par Ablaïso. On a une équipe sénégalaise assez haute, hein. L'équipe assez haute en taille. Shoot guinéen, hein, qui va sortir. On était en toute fin de possession. Allez, on travaille côté sénégalais. Un peu confus. Wallisen qui va jouer avec Khalifa Diop. Marché. Nouveau ballon perdu. Ça, c'est vraiment un des gros problèmes du Sénégal. 26 ballons perdus en moyenne par match. Ça fait beaucoup à ce niveau-là. Allez, les Guinéens qui essaient d'organiser leur attaque. Ouais. Très bien réalisé cette percée de Mamourou Mara qui donne de nouveaux points à la Guinée. Allez, le Sénégal qui fait tourner, tentative de drive et ça rentre pour Babacar Salé. 4-2 en faveur des Guinéens. Mehdi Labarrère, Kabine Kaba. Arafan Kaba, les frères Kaba, le drive et il obtient la faute. Faute du numéro 8 sénégalais. Ababakar Diop. Et Arafan Kaba qui va faire donc un tour sur la ligne de réparation. 12 points en moyenne par match avec 8,5 rebonds pour Arafan Kaba. Un des tauliers de cette équipe guinéenne. Le premier lancer franc est raté. Oui, ça aussi c'est un des problèmes de ce championnat d'Afrique. L'adresse. On a des équipes qui sont difficilement à 50% de réussite au lancer franc. Tentative de drive, le contre guinéen.
Mehdi Labarrère qui va ressortir le ballon pour Diallo. Diallo pour Labarrère qui va appeler un écran. L'écran de Mamoudou Mara. Le ballon est récupéré par Arafan Keita. Le ballon sur le pied est donc remis en jeu pour la Guinée. Les jeunes du Sili de Guinée. Une des belles surprises en tout cas de ce tournoi. C'est voilà, la preuve que le travail effectué par le président Sakoba Keïta est en train de produire petit à petit ses effets. Arafan Kaba, joli ce drive. Avec changement de main, il part sur sa main gauche et il finit en layback main droite. 7-2 pour la Guinée. Rebond à Arafan Kaba, il est partout. Mehdi Labarrère. Mehdi Labarrère, cost to cost, qui va calmer le jeu. Ressort le ballon. Attention, ça va être un douan. Mamoudou Mara qui marque le panier, plus la faute. Ils sont très bien rentrés dans ce match, les jeunes Guinéens. Très bien rentrés dans ce match. Belle passe décisive de Mehdi Labarrère et Mamoudou Mara qui marque 2 points. Déjà 4 points pour Mamoudou Mara. Lancé franc réussi. Et une défense assez haute. C'est Diallo qui va mettre la pression sur la montée de balle des Sénégalais. La passe dans la raquette. On va ressortir dans le corner. Le tir à 3 points de Wally Sané qui est manqué. Mais derrière, le Sénégal va bénéficier d'une faute. Allez, remise en jeu en ligne de fond. Ça défend bien côté guinéen. Le ballon pour Ella Djungom. Ça c'est pas mal fait. Joli crossover. Malheureusement, qui ne va pas produire d'effet. Les barrières à la manœuvre. Qui va ressortir le ballon. Pomfamara Dabo. Diallo maintenant en drive. Qui obtient le panier. Très agressif les Guinéens. Aussi bien en attaque qu'en défense, ils sont très agressifs les Guinéens. Ils prennent vraiment une très belle avance, mais on sait bien qu'au basket, le début du match n'est pas le plus important. Shoot à 3 points de Ngom, raté. Rebond guinéen et on va repartir. Toujours les barrières à la manœuvre. Place son système. Attention à ce shoot. Rebond sénégalais. Rebond autoritaire de Wally Sané. Le ballon dans le corner, dans l'aile. Shoot manqué, rebond offensif. Le shoot de Sané manqué. Rebond offensif sénégalais. Ça circule bien. Arafan Keita, tentative de drive, bonne défense des Sénégalais. Arafan qui force et qui va obtenir une faute. Faute de Babacar Sané. Allez, quelques rotations côté sénégalais. Mustapha Mboup entre en jeu.
Van Kaba qui marque son premier lancer franc. 2 sur 2. Boubacar Diatta est entré en jeu pour le Sénégal. Allez, on ressort bien le ballon pour Ngom à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Il prend son propre rebond. Et 2 points pour Eladj Ngom, le joueur de Kirolbet Baskonia en Espagne. Du haut de ses 2m04. Allez, Arafan Keita en 1 contre 1 qui va défier. Oh oh! Quel contre de Janko Badji. Janko Badji, le meilleur rebondeur de ce tournoi pour l'instant, avec 12,3 rebonds par match. Joli, joli contre là, du haut de ses 2m14. Joueur du FC Barcelone en Espagne. Medine Barrère, un peu dilettant que cette passe. Il y a un pied sénégalais. Le ballon sera remis à la Guinée pour une remise en jeu latérale. 3:34 à jouer dans ce premier carton. Les Guinéens sont devant. Famara Dabo. Faute offensive. Allez. Nouvelle rotation. Chez les Guinéens. Mohamed Lamine Keïta qui rentre. Joueur de la Seed Academy d'ailleurs, hein, qui joue au Sénégal aussi. 2m08. Allez, Diallo. Les barrières. Famara Dabo. Oumourou Mara. Pas de réussite. Le ballon sera sénégalais avec Moustapha Mboup. Babacar Diatta. Diatta qui ressort le ballon. Oh, geste un peu difficile, un drive un peu difficile, précipité de Wallisen. Et c'est une nouvelle faute. Faute de Wallisen. Et on a de nouveaux changements de joueurs, de nouveaux remplacements. Les Sénégalais sont à plus de 4 fautes collectives. Donc Mehdi les barrières qui est sur la ligne de réparation pour 2 lancers francs. Histoire d'accroître un tout petit peu l'avance des Guinéens. Pierre Wallisen a cédé sa place à Papa Blaiso, le numéro 19 du Sénégal. Papa Blaiso, 2m04, 17 ans, qui lui aussi joue à Baskonia en Espagne. Premier lancé réussi, le deuxième ne sera pas converti. Rebond de Janko Badji. Les Sénégalais à la relance. Nouveau ballon perdu. Nouveau ballon perdu pour les Sénégalais. C'est le gros souci de cette équipe. Beaucoup, beaucoup de ballons perdus. Mehdi qui organise son attaque. Famara Dabo, Mehdi les barrières. Mambourou. Marché. Marché de Mambourou Mara. Le ballon sera sénégalais. Remise en jeu par Ngom.
Random. Ouh, marché, oui. Beaucoup de précipitations hein, sur ce début de match. Beaucoup de précipitations, notamment du côté sénégalais, où on perd beaucoup de ballons. Et c'est le premier temps mort du match. 14 à 6 pour les Guinéens. Ils sont vraiment bien rentrés dans ce match. Première demi-finale donc de ce U18 FIBA Africa Afrobasket. Les Sénégalais qui ont déjà perdu 7 ballons. 7 ballons en moins d'un carton. Contre 3 pour les Guinéens. C'est surtout ce problème qu'il va falloir gommer. Hein. Du côté sénégalais. Et ça va repartir. Mehdi les barrières. Famara. Mehdi Famara. Qui va se lever. Il est court. Le rebond sauvé. Non, le ballon va sortir. Tir de Mamoru Mara qui était trop court. Moins de 2 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Les Guinéens sont toujours devant. Mustapha Mboup qui organise pour le Sénégal. Solution de passe. Il en trouve une. Ablaïso. Ça ne rentre toujours pas côté sénégalais. Le tir de Mustapha Mboup ne rentre pas. Allez, ça circule. Les Sénégalais qui changent de défense. Défense de zone de 3. Essayez de perturber un peu l'attaque guinéenne. La première défense est bonne. Attention à ne pas perdre ce ballon. Il est perdu. 8e ballon perdu. Le ballon a été chippé par Mohamed Lamine Keïta. Les barrières. Diallo. Diallo qui va bénéficier de l'écran. Attention. À la fin de possession. Les barrières. Step back. À 3 points. Oh là 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 là. Une action digne de James Harden là. Tentative de drive. Il se restitue en step back. Et bingo à 3 points. Il va falloir vraiment réagir du côté sénégalais. Tir compliqué. Faute offensive. Faute offensive d'Ablaïso pour le Sénégal. Ah, c'est une faute sur rebond. Oui, et comme les Sénégalais sont dans la pénalité, ben, ça va occasionner deux lancers francs pour les Guinéens. Et c'est Mamoru Mara qui va faire un tour sur la ligne de lancer franc. Premier lancer franc converti. Mamoru Mara. 17-6 pour les Guinéens. Et 18. 18 à 6. Deux lancers réussis par Mamoru Mara. Mamoru Mara, 17 ans, 1m94. Joueur du Centre fédéral de Guinée. Le Sénégal à l'attaque. Tenter de réduire un peu la marque. C'est compliqué. Nouveau ballon perdu. Diallo. Oh là là, il a cherché la solution la plus difficile. Alors qu'Arafan Keïta était mieux démarqué sur sa gauche. C'est aussi ça le basket des jeunes. Les choses ne sont pas toujours simples. On essaye d'imiter nos idoles américaines. Les choses ne sont pas toujours évidentes.
Allez, Arafan Keïta dans le corner. Ça ne rentre pas. Rebond sénégalais. Mboup. Mboup qui ressort. Le tir à 3 points au buzzer. Le tir de Khalifa Babacar Diop au buzzer. Voilà un tir qui peut faire du bien. Un tir qui peut faire du bien aux Sénégalais, psychologiquement en tout cas. C'est la fin donc de ce premier carton avec un léger avantage pour les Guinéens. 18 à 9. Les Guinéens qui sont très très bien rentrés dans leur match. Sénégalais pour l'instant sont un peu dans le dur, se cherchent un tout petit peu. Espérons pour eux que les choses ne durent pas. Mamoro Mara pour l'instant est le meilleur marqueur de la rencontre avec 6 points côté guinéen. La marque est un peu plus élargie, étalée chez les Sénégalais. C'est Ela Jingom qui a 4 points comme meilleur marqueur du Sénégal. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées hein, dans cette compétition. 53-52 en faveur du Sénégal qui avait remporté le match d'une courte tête. Les Guinéens n'avaient pas démérité. Aujourd'hui, ils sont très très bien rentrés dans le match. Allez, on va faire monter un tout petit peu la défense là du côté sénégalais. C'est Mboup. Mboup, voilà, qui va commencer par mettre la pression sur les barrières. Les barrières qui ont déjà des attitudes hein, d'un vrai meneur de jeu à l'ancienne. Organisateur, passeur. Keïta. Keïta qui va renverser le jeu. Allez, le ballon à l'intérieur. Ouh, ça va être difficile ça. Ballon perdu par Famara Dabo. Mboup. Attention, rebond Babacar Diop. Un tir encore trop court. Un tir trop court pour les Sénégalais qui sont à 1 sur 7 à 3 points. Et qui n'ont pour l'instant shooté aucun lancer franc pour dire à quel point ça manque d'agressivité sur le plan offensif. Diallo. Diallo. Keïta. Keïta, les barrières. Les barrières. La passe dans le dos, un peu fantaisiste. Mboup à la relance. Voilà, ça c'est bien fait. Babacar Diop qui réussit. Ce panier pour les Sénégalais qui petit à petit reviennent dans le match. Keïta. Keïta, les barrières. Les barrières dans son style si particulier. Le shoot est court. Rebond offensif, ça joue. Les Sénégalais se sont arrêtés, mais ça joue. Famara Dabo. Rebond. Rebond encore. Rebond guinéen. Lamine Keïta. Famara Dabo. Diallo. Le barrière. Les barrières qui va driver. Nouveau rebond de Keïta. Quel chantier.
Quel chantier, Keita! Joueur de la SID Academy qui connaît donc certains joueurs sénégalais. Du haut de ses 2m08, n'a pas froid aux yeux. Allez, les Sénégalais qui vont tenter de réagir. On ressort bien. Le petit flotteur, ça ne rentre pas. Arafan Keita au rebond. Keita qui va temporiser. La défense sénégalaise en place. On est repassé en défense homme à homme du côté sénégalais. Keita. La passe est mal ajustée. Mboup qui relance pour le Sénégal. Ça ne rentre pas. Et Mehdi, les barrières qui vient chipper ce ballon. Malheureusement, la conclusion n'est pas bonne. Mboup, Mboup dans le trafic. Voilà, ça c'est très très bien fait. Belle passe. Belle passe de Mboup. Gora Blaiso. Attention, nouveau contre sénégalais. Passe décisive d'Ablaïso pour le panier de Babacar Diop. Allez, remise en jeu en ligne de fond. Les barrières. Famara. Famara Dabo. Jump hook. Et ça rentre. Il donne encore un peu d'air pour la Guinée. Ils ne lâchent rien, ces jeunes Guinéens, venus sans complexe, qui n'ont vraiment rien à perdre. Ces Guinéens qui ont réussi à battre le voisin malien. Une victoire historique de la Guinée sur le Mali. Pour l'instant, les joueurs de Madjen Fall ont des soucis, notamment sur le plan offensif. Le jeu n'est pas huilé, beaucoup de pertes de balles. Ablaïso, le tir dans l'aile, airball, rebond guinéen. Mamoru Mara, Mehdi Les Barrères, demande un écran qui ressort le ballon pour Diallo. Une paire d'arrière qui fonctionne assez bien. Ouais, ça c'est bien ressorti de la part de Les Barrères. Intelligemment. Intelligemment. Arafan Kaba qui obtient des lancers francs. Premier converti. Mamoru Mara, pardon. Premier lancé converti. Le deuxième est manqué. Il aura droit à une troisième tentative. Faute commise sur un tir à 3 points. 1 sur 3, mais le rebond offensif est guinéen. Et Mamoru Mara qui repart dans ses œuvres. Cette fois-ci, il n'a pas de réussite. Allez, les Sénégalais à 3 points. Ça ne rentre toujours pas. Ce tir de Wallisen. Pierre Wallisen, dont le tir ne rentre pas. Très, très difficile. Très, très difficile. Maladroit. Même au lancer franc, ils sont maladroits. Babacar Sané qui n'arrive pas à convertir ses lancers.
Medili Barrer. Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo qui appelle un écran. Qui va ressortir le ballon. Il va renverser le jeu dans le corner. Oh, papa, papa. Nouvelle faute. Nouvelle faute sur Mamourou Mara. Mamourou Mara qui obtient la faute sur ce drive, sur cette pénétration. Converti pas, son premier lancé franc. Attention à ne pas le payer plus tard. Ils tiennent le bon bout, mais que de lancer franc raté. 0 sur 2 pour Mamourou Mara. Rebond sénégalais. Ablaïso. Ablaïso pour Khalifa. Aboubakar Diop. Un nouveau ballon perdu. Medili Barrer pour la Guinée. Défendu par Ablaïso. Lamine Keïta. Kabine Kaba. Ça, c'était très, très difficile, là, de la part de Mamourou Mara. On voit Zeljko Zečević. Ça ne lui plaît pas, hein, le coach guinéen. C'était très brouillon de la part de ses joueurs. C'est aussi ça, le problème du basket jeune. Ça manque de patience, beaucoup de 1 contre 1. Le jeu n'est pas très bien construit. Et voilà, ils ont le défaut de leur jeunesse. Maintenant, ce sont les Guinéens qui passent en défense de zone. Est-ce qu'ils seront sanctionnés? Non. Le tir d'Ablaïso qui ricoche sur l'arceau, mais qui ne rentre pas. Moustapha Ndiaye est rentré à la place de Babacar Sané. Côté sénégalais. Qu'est-ce que c'est court? Qu'est-ce que c'est court? Ce nouveau tir de Dinko Badji. Allez, 4-12 à jouer dans ce deuxième carton pour cette première demi-finale du championnat d'Afrique des U18. Babacar Diop qui a ressorti le ballon. Nouveau ballon perdu. Un de plus. Medili Barrer dans ses œuvres. Qui demande du soutien, qui demande du mouvement. Allez, écran haut pour les barrières. Il est scotché par la défense sénégalaise. Quasiment un double rideau. On ressort le ballon à 3 points, mais ça ne rentre pas. Et devinez qui vient chercher ce rebond défensif? C'est les barrières. Keïta. Il va falloir l'aider. Diallo. Diallo qui va demander l'écran, qui part à l'opposé. Violation des 24 secondes de possession. C'est un ballon perdu au profit du Sénégal. Et temps mort demandé par le coach guinéen Zeljko Zečević. Pour essayer de replacer un tout petit peu les choses, essayer de recadrer aussi toutes ces attaques sans succès pour l'instant. Voilà, de part et d'autre, on donne des consignes. Les Sénégalais sont à 1 sur 11 au lancer franc. Et 11 ballons perdus. Les Guinéens, 0 sur 1 sur 6 à 3 points. Avec ce tir de Les Barrer. 8 ballons perdus. Et pour l'instant, Mamourou Mara est le meilleur marqueur du match avec 7 points.
Aboubakar Diop pour la reprise du jeu en faveur des Lionceaux du Sénégal. Amli Moustapha Ndiaye est rentré. Attention, ne pas perdre ce ballon. Dès son entrée en jeu, il s'en sort plutôt bien. Faute de Mehdi Les Barrères sur Ablaye Sow. Remise en jeu latérale pour le Sénégal. Ablaye Sow. Le ballon dans l'aile pour Wally Séné. Passé va. Attention de ne pas perdre ce ballon. Il est bien aidé là par Aboubakar Diop. Attention. 23-15, les Sénégalais qui reviennent petit à petit dans la rencontre. Les Sénégalais profitent surtout des erreurs des joueurs guinéens. Arafan Keïta pour la Guinée. Famara Dabo, Diallo. Dabo encore. Mamburu à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond sénégalais. Mboup à la relance. Babacar Gay, ça ne rentre pas. C'est une faute sifflée contre Mamburu Mara. C'est sa première faute personnelle. Remise en jeu en ligne de fond pour Mustapha Mboup. Le ballon qui sort bien à Aboubakar Diop. Mboup qui renverse le jeu. Ballon qui revient. Les Guinéens toujours dans cette défense de zone. Tire à 3 points complètement loupé. Ça ne rentre toujours pas. Et c'est la fin de possession. Violation des 24 secondes. Donc un nouveau ballon perdu pour les Sénégalais. À moins que le trio arbitral en décide autrement. On va nettoyer le parquet de ce Cairo Stadium. Un peu de sueur sur un parquet, ça peut glisser et ça fait très mal pour les chevilles, pour les adducteurs. Voilà, exactement. On inverse donc le coup de sifflet. La possession revient au Sénégal parce qu'il y a eu un rebond offensif qui a été mal apprécié par les arbitres. Bon, ça ne change rien. Puisque les Guinéens, finalement, s'emparent du rebond défensif. Arafan Keïta. Voilà, on va calmer le jeu, mettre en place le système. Il n'y a pas de pression défensive côté sénégalais. Le ballon qui ressort. Oh, très compliqué cette passe. De Mamburu Mara. Pour Famara Dabo. Ablaye Sow qui donne dans le périmètre. Le ballon qui ressort dans le corner. Le shoot de Aboubakar Diop est manqué. Rebond sénégalais, on va repartir. Mboup. Sow. Mboup. Mboup à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond. Le ballon va sortir en faveur des Guinéens. Arafan Keïta qui se plaint d'une poussette. N'aura pas gain de cause auprès des arbitres. Et c'est un nouveau temps mort. Toujours devant. À moins d'une minute de la mi-temps. Les jeunes Guinéens. 23-15 pour cette équipe guinéenne hein, qui nous surprend agréablement.
Khalifa Babacar Diop, meilleur marqueur sénégalais. Mambou Oumara, toujours meilleur marqueur pour la Guinée. Les deux à 7 points. Le match est agréable, c'est vrai, il y a beaucoup de pertes de balles, c'est un peu brouillon par moment. Mais voilà, c'est une demi-finale. Le plus important pour ces deux formations, c'est de gagner. Les jeunes espoirs du continent africain, dont plusieurs sont à leur première compétition internationale. Et ce n'est pas évident des deux côtés. Allez, Mboup. Le ballon ressort à Blaïsso à 3 points. Belle touche, hein. Belle exécution de la touche. Ça ne rentre pas. Séné qui récupère, qui ressort. Cette fois-ci, c'est So encore. Et bien voilà. So qui permet aux Sénégalais de se rapprocher davantage de la Guinée. Fambara Dabo. Mehdi Lebarer, ballon perdu. Les Sénégalais en contre-attaque. Et le dunk! Et le dunk! Et le dunk! Le dunk de Babacar Diop. Et les Sénégalais qui reviennent à une possession. Une possession de la Guinée. Joli dunk de Babacar Sané sur une très belle passe hein, de Ababacar Diop. Ababacar Diop qui est au four et au moulin. Aussi bien en attaque qu'en défense. Les Guinéens qui ont compté jusqu'à 10 points d'avance et qui se sont laissés grignoter par les Sénégalais de nombreuses pertes de balles. Je parlais des pertes de balles du Sénégal. Mais les Guinéens, sur ce deuxième carton, en ont perdu aussi pas mal. Ils en ont perdu quasiment le même nombre. Ils sont à 10 pertes de balles contre 11 pour le Sénégal. Ça s'équilibre, ne serait-ce que sur cette statistique de jeu. Dans ce deuxième carton, 17 secondes avant la mi-temps. Allez, remise en jeu. Mfamara Dabo. Mambourou Mara. Le barret. Mambourou Mara. Tentative de drive. Il est contré par Bianco Badji. On l'a dit, hein, le joueur du FC Barcelone, meilleur rebondeur, est quasiment un des meilleurs contreurs de ce tournoi. Et on arrive à la mi-temps avec 3 points d'avance pour la Guinée. Quasiment rien du tout. 23 à 20. Les Guinéens qui sont très bien rentrés dans le match. Et puis, sur ce deuxième carton, qui ont perdu énormément de ballons, les Sénégalais en ont profité pour revenir au score. Et puis, on a un Khalifa Babacar Diop qui brille de mille feux et qui permet justement à cette équipe sénégalaise de n'être menée finalement que d'une seule petite possession. Ça promet pour la seconde mi-temps. On revient dans un instant.
Nous sommes de retour au Cairo Stadium, au hall 3 de ce complexe sportif du Caire, pour la première demi-finale du championnat d'Afrique des U18. Et à la mi-temps, les Guinéens sont devant d'une possession 23 à 20 contre le Sénégal. Deux équipes qui se tiennent. On a 9 points pour les Sénégalais sur des ballons perdus contre 6. 9 points contre-attaque pour le Sénégal contre 5 pour la Guinée. Les deuxièmes chances, 7 points à 4 pour les Sénégalais. Les Guinéens remportent la bataille de la raquette avec 14 points contre 10. Le banc sénégalais a 2 points de plus, donc 4 à 2 en termes d'apport du banc. Les Guinéens ont connu une avance de 12 points. Et puis les Sénégalais sur un gros run, un 11-2 dans le deuxième carton, sont revenus. Même s'ils ne sont pas passés devant, ils sont bien revenus au score. Et puis ce dernier tir, sénégalais quasiment au buzzer qui est capable de leur faire du bien. Ce tir d'Ablaye Sow. Et donc, ça va repartir pour cette seconde mi-temps. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous demain. Parce que demain se joueront les finales. La finale dame, la petite finale homme et la grande finale homme. Voilà, dès demain. Soyez présents sur le network de FIBA Afrique, de FIBA, pour suivre avec nous ce match, ces matchs en tout cas, de la relève du basket africain. De très jeunes joueurs, de très bons potentiels, qui vont justement, au travers de ce genre de compétition, grandir, apprendre et avancer. Et début donc de ce troisième carton. Est-ce que le Sénégal va continuer sur la lancée du deuxième? Ou alors est-ce que les Guinéens vont se reprendre tout de suite? On a vu à la mi-temps Zeljko Zečević reprendre les bases en termes d'échauffement. D'ailleurs, Zeljko Zečević est secondé par Philippe Sudre, qui est l'entraîneur adjoint de Paris Métropolitaine, de Boulogne Métropolitaine en France, l'ex-directeur du centre de formation de Blois Basket. Voilà, un coaching staff international. Les Sénégalais ont préféré le local. Ils perdent un premier ballon. Attention, ça va être le dunk de Mamburu Mara pour commencer. Allez, boop. Séné dans la raquette. Le jump hook, bien fait, main gauche de Djanko Badji. Deux équipes se rendent coup pour coup. Le score est de 25 à 22. Ne vous fiez pas au bandeau en bas de votre écran. Les Guinéens ont bien 3 points d'avance. Allez, ça ressort pour Arafan Keita. Et ça rentre. 3 nouveaux points pour la Guinée qui repart sur les bases de son premier carton. 28 à 22, plus 6. Pour la Guinée. Allez, Djanko Badji. Qui obtient de lancer franc. Zeljko Zečević. Toujours aussi démonstratif sur, sur son banc de touche.
court. Ce premier lancer franc de Gianco Baggi. Ibu Gianco Baggi pour faire complet. 1 sur 2 pour le jeune pivot de la réserve du FC Barcelone. Mehdi Lebarère, défendu par Mboup. Attention, il y a une faute. Faute de Mboup. Défense un peu trop rapprochée, il est sorti de son cylindre de défense. Et ça sera une remise en jeu latéral pour les Guinéens. Mehdi Lebarère bénéficie de l'écran d'Arafan Keita qui ressort. Ballon dans le corner. Le pied dehors, le pied sur la ligne de touche. C'est Diallo qui perd ce ballon. Le Sénégalais à la relance. Nouveau ballon perdu. Mehdi Lebarère qui va garder intelligemment le ballon. En infériorité numérique, préfère attendre les autres. Mais lui aussi qui perd ce ballon. Sénégalais en surnombre cette fois-ci. Et Gianco Baggi. Non, Gianco Baggi n'a pas le droit. Mehdi Lebarère pour la Guinée. L'écran. Arafan Keita, Famara Dabo. Mamburumara, airball. On n'avance pas. 5 points d'avance pour les Guinéens. 28 à 23. Quelques remplacements de joueurs. On va nettoyer un tout petit peu le parquet. Quelques gouttes de sueur, de transpiration. On le sait, c'est toujours dangereux pour les joueurs. Voilà. Le towel man, comme on dit en NBA. Allez, on est reparti. Mboup, défendu par Diallo. Boubacar Diop. Badi. Le ballon guinéen. Les barrières. Mamburumara. Arafan Keita, Famara Dabo. Keita. Oui, la belle passe! Oh! On a failli assister au poster de la rencontre là. Et un nouveau ballon perdu. Côté sénégalais, ballon perdu par Moustapha Mboup. Allez les Guinéens à l'attaque. Famara Dabo. Ibrahima Diallo, bonne passe dans le trafic. Mais Mamburumara est contré. N1. Joli drive de Papa Blaiso. Attention, un joueur guinéen qui est touché. Espérons pour lui que cela ne soit pas trop grave. On a toujours du mal. On a toujours du mal quand on voit un sportif allongé sur le bord du parquet. C'est la cheville,
C'est la cheville qui a tourné. Allez, courageusement. Hein. Courageusement. C'est Mamburu Mara qui va se relever courageusement. Espérons pour lui que ce soit une entorse bénigne, hein, quelque chose de très bénin qui, voilà, qui ne soit pas préjudiciable pour la suite de la rencontre. Les Guinéens ont bien, bien, bien besoin de lui. Entrée en jeu de Mohamed Lamine Keïta, donc à la place de Mamburu Mara, touché à la cheville. Ablaïso, quant à lui, continue son festival. Mehdi Les Barrères pour la Guinée. Keïta. Keïta défendu par Ablaïso. Pour l'instant, les deux meilleurs hommes du match. Hein. La passe. Ouais, la passe pour Lamine Keïta. Arafan Keïta pour Lamine Keïta. Et ça fait 2 points de plus pour la Guinée. Boop. Oui, ça c'est bien. Ça circule bien côté sénégalais. Voilà, on va décaler Ablaïso dans le corner. Ça ne rentre pas. Keïta pour le rebond. Bon, le rebond guinéen. Mehdi Les Barrères. Arafan Keïta, Les Barrères à 3 points. Ça joue en toute fin de possession. C'était un shoot obligatoire pour Mehdi Les Barrères. Oui, belle passe. Ça ressort bien, ça circule bien. Belle circulation sénégalaise. Mboup, oui! Qu'est-ce que c'est bien fait? Qu'est-ce que c'est bien léché? Belle circulation de balles des Lionceaux de la Teranga. Et le Sénégal qui revient à un tout petit point de la Guinée. Attention à ne pas perdre ce ballon. Il est perdu ou pas? Il est perdu. Il est perdu. Les Sénégalais ont donc l'occasion de passer devant pour la toute première fois du match. Duel en haute altitude. Et ça va donner 2 lancers francs. Deux lancers francs pour Ababacar Diop, qui peut permettre au Sénégal de passer devant. Le premier est très très court. Très très court. Ce lancer d'Ababacar Diop. Deuxième. Bon. Il voulait juste égaliser peut-être. 30 partout. Tout est à refaire pour les Guinéens. Mehdi Les Barrères. Keïta. Diallo. Le ballon dans le corner. Famara Dabo. Keïta. Allez, on dispute le rebond. Le rebond sénégalais. Wally Sen qui donne dans le corner. Allez, on remet en place Mboup. Sen, ça rentre. Et les Sénégalais qui passent devant pour la première fois du match. Les Lionceaux de la Teranga passent devant sur ce joli, joli tir à 3 points de Pierre Wally Sen. Très, très bien décalé par Mustapha Mboup. Et les Sénégalais sont devant. On a assisté en tout cas à une très très belle phase là, la fixation, le ballon qui tourne, qui va à l'intérieur, qui ressort et puis on décale dans le corner Pierre Wally Sen qui envoie une belle mandale à 3 points
pour permettre aux Sénégalais de passer devant. Une possession d'avance donc pour les Sénégalais, 33 à 30 désormais. Ça va repartir. Comment réagiront ces jeunes Guinéens? Faut surtout pas gamberger maintenant qu'ils sont menés au score. Allez, Diallo. Défendu par Séné. Les barrières qui va trouver Keïta. Keïta jump hook main gauche. C'est loupé. La contre-attaque sénégalaise. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Babacar Diop n'arrive pas à contrôler ce ballon. Famara Dabo. Les barrières. Dabo. Keïta. Pour l'autre Keïta, les barrières. Les barrières dans le corner. Eh oui, eh oui. Nouvelle perte de balle pour violation de la règle des 24 secondes. Les Sénégalais ont durci leur défense. Ils sont beaucoup plus agressifs. Ils sont sur les trajectoires de passe. Ce qui a... pour conséquence de brouiller les pistes côté guinéen. Le jeu est beaucoup moins léché. On trouve moins de solutions de passe. Allez, scène. Le ballon qui circule. Nouvelle tentative à 3 points. C'est court. Mboup. Mboup pour Sow. So, Sen qui va se lever. Ça ne rentre pas. Rebond Keïta. Les barrières pour la relance. Les barrières tout seul. Qui ressort le ballon. Ouh, il est contré. Il est contré. Arafan Keïta. Oui, oui, oui. Faute de Famara Dabo. De Mamburu Mara, pardon, qui est bien revenu. Les joueurs de Zeljko Zečević qui, pour l'instant, balbutient leur basket. Les Sénégalais n'en profitent pas, mais ils sont devant. Nouveau tir à 3 points, manqué. Deuxième chance, et de lancer à suivre. Rebond de Wallisen. Et Babacar Diop qui va obtenir de lancer. Ablaye Sow, pardon. Quasiment le meilleur homme hein, côté sénégalais. Plus 5 désormais avec ces deux lancers francs de Wallisen pour le Sénégal. Allez, ça repart côté guinéen. Arafan Keïta défendu par Sow. L'autre Keïta. Mamburu Mara. Ça devient un peu brouillon côté sénégalais. Côté guinéen, pardon, ça devient brouillon.
5 pour le Sénégal à moins de 2 minutes de la fin du troisième carton. Arafan Keita qui bénéficie de l'écran de Famara Dabo. Medile Barrère, qu'est-ce que c'est compliqué. Le rebond n'est pas contrôlé. Le rebond n'a pas été contrôlé par Ella Jingom et du coup, remise en jeu pour les Guinéens. Keita, la belle passe décisive. Tentative de dunk. Tentative de dunk de Famara Dabo qui ne réussit pas et il va bénéficier d'une faute. Tentative de dunk de Mohamed Lamine Keita qui va bénéficier de la faute de Dianko Badji. Les deux big men de ce match. Keita qui culmine à 2m08 et Dianko Badji 2m14. Le lancer franc raté. Les Guinéens qui ratent une occasion de recoller un tant soit peu au score. Wallisen. Sortie de balle en faveur des Sénégalais. Mouk. Le ballon, oula, passe difficile. Intercepté par Famara Dabo. Les barrières. Keita. Dabo. Keita qui va se lever à 3 points. Il est court. On se dispute le rebond offensif. Joli rebond défensif de Badji. Mais la passe de Sow est très très compliquée. Et maintenant, ce sont les Guinéens qui se mettent à perdre énormément de ballons. Ballon perdu par Arafan Kaba. Babacar Sané qui est revenu à la place de Pierre Wallisen. Faute en faveur du Sénégal. Et c'est Ababacar Diop qui va se présenter sur la ligne. Il est lancé. Il est converti. Point d'avance pour le Sénégal. Et 7 maintenant. 2 sur 2. Pour Babacar Diop. Oh la défense. Oh la défense de Mboup là sur les barrières. Keita. Famara Dabo. Keita. Keita, la tentative de drive. Et une nouvelle violation de la règle des 24. Ça commence à devenir compliqué. Ballon perdu. On en restera là pour ce troisième carton. 37 pour le Sénégal, 30 pour la Guinée. Les Guinéens qui ont balbutié en tout cas leur basket sur ce troisième carton. La défense sénégalaise très très bien réalisée qui a occasionné de nombreuses pertes de balles côté guinéen. Les Sénégalais en ont profité pour revenir. Et puis les Sénégalais ont retrouvé un peu d'adresse à l'extérieur.
ce qui n'est pas pour déplaire en tout cas à Madian Fall, le coach. Les Sénégalais qui sont à 18 ballons perdus. Contre 17 pour les Guinéens, ça s'équilibre. 8% à 3 points pour les Guinéens contre 18% pour les Sénégalais. Les Sénégalais sont un peu plus adroits au lancer franc, 63%. Grosse domination au rebond hein, désormais des Sénégalais, 40 rebonds à 29. Et ça va repartir. Dernier carton. 7 points. Ça veut dire 3 possessions. Remise en jeu, Famara Dabo. Keita. Attention à la faute offensive. Dabo. Diallo. Kaba. On sort le ballon. Les barrières. L'écran de Keita. Kaba à 3 points. Et Diallo. Diallo qui se réveille. Qui se réveille au bon moment pour la Guinée. Ce tir à 3 points dans le corner. Une défense mixte, étagée, côté guinéen. Pour essayer de perturber l'attaque des Sénégalais. Oui, ça s'est bien renversé dans le corner. Ça ne rentre pas pour Ablaye Sow. Et les Guinéens. Aïe, aïe, aïe. Le ballon qui va sortir. Mais dans tous les cas, il est en faveur des Guinéens. C'est un match à deux possessions. 4 points d'avance pour les Lionceaux de la Teranga. Diallo. Diallo défendu par Ablaye Sow. Famara. Les barrières. Les barrières à 3 points. Long, mais le rebond de Keita qui va se bagarrer, essayer de ressortir le ballon, mais il met le pied en touche. Mohamed Lamine Keita qui met le pied en touche. Nouveau turnover, ballon pour les Sénégalais, 18 ballons perdus pour les Guinéens, 18 ballons perdus pour les Sénégalais. Moup. Il sert dans la raquette, voilà, on va créer de la fixation avec Badji, la main gauche. Ça, c'est très bien fait de la part de Badji qui donne 6 points d'avance au Sénégal. Les barrières. Keita. Dabo. Mumburu. Diallo. Diallo à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond de Badji. Badji qui fait un bien énorme des deux côtés du parquet, dans les deux raquettes. Ça circule côté sénégalais. Attention, ce double crossover qui n'est pas récompensé de Babacar Sané. Les barrières. Les barrières. Il va s'engouffrer pour Keita. Jump hook, main gauche. Raté. Et derrière, il commet la faute. Une faute de frustration. C'est un beau duel. Hein. Un beau duel que se livrent Keita et Badji. Keita, joueur de la Cid Academy, hein, qui se trouve au Sénégal d'ailleurs. Et Badji, joueur de la réserve du FC Barcelone en Espagne. Voilà, c'est l'avenir du basket africain. Bel avenir en tout cas. Allez Badji, ça c'était un peu compliqué. Les barrières. Les Guinéens ont quand même perdu de leur superbe offensivement. Le jeu, le ballon ne circule plus, le jeu n'est plus très fluide. Mamburu Mara est revenu. Famara.
Les barrières, tentative d'aller-hoop, bien lu, très bien lu, et puis ce boum 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 badaboum. Qu'est-ce que c'est bien fait ce dunk de Babacar Sané sur une jolie passe d'Ababacar Diop. Les Sénégalais qui creusent un peu plus l'écart. Plus 8 désormais. C'est à jouer. Il va falloir trouver des solutions là côté guinéen. C'est reparti avec Diallo. Violation des 8 secondes. Qu'est-ce qu'ils ont perdu sur des violations des 24 secondes? Et là, c'est une violation des 8 secondes parce que vous avez 8 secondes pour passer de la zone arrière à la zone avant. Et Diallo n'a pas fait attention au chronomètre. Donc, nouvelle balle perdue. 19 ballons perdus désormais. Et c'est une faute. Faute de Mohamed Lamine Keïta. Sur Badji. Remise en jeu latérale. Moup. Ballon qui lui revient. Badji qui va travailler. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ce post-up de Badji qui travaille bien dos au panier et qui finit sur un jump hook incontrable. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus les Guinéens. Plus 10 désormais. En faveur des Sénégalais. Temps mort demandé par Zeljko Zečević de la Guinée. Essayer de recadrer un peu son équipe, essayer de remettre des choses en place. Parce que pour l'instant, les Sénégalais ont un pied et deux orteils, on va dire, en finale. Mais on le sait, rien n'est joué au basket. 10 points d'écart. Ces 4 possessions. Il faut rester concentré côté sénégalais. Pour les Guinéens, il faut trouver des solutions. Pour l'instant, le jeu collectif n'y est plus. C'est la débandade. Très très belle deuxième mi-temps en tout cas hein, de ce match. Qui avait démarré petitement et qui progressivement s'améliore. Ababacar Diop désormais à 10 points pour le Sénégal. Meilleur marqueur pour les Sénégalais. Ibrahima Diallo, 7 points. Arafan Kaba pour la Guinée, 8 points. Et ça va repartir. Première demi-finale donc de ce championnat d'Afrique des U18 qui se déroule au Cairo Stadium. Qui pour l'instant voit se profiler une victoire du Sénégal, mais rien n'est fait. Jolie fin de Mou. Et la passe un peu difficile. Les Sénégalais, Kaba, la relance. Qui va calmer le jeu. Bien suivi. Par Keïta, ce tir. De Mamoru Mara. Ça ressort. Les Sénégalais qui font circuler le ballon. Ababacar Diop pour Badji qui ressort. Moup. Attention à la fin de possession. Et marché.
bonne défense guinéenne. Temps mort positif. Allez, Arafan Kaba, Diallo. Attention à ça. Mamoru Mara qui était monté au dunk. Il va obtenir une faute. Faute de Badji. Badji qui ne veut pas se laisser raconter le basket. Qui se fait respecter dans sa raquette. Premier lancé converti par Mamoru Mara. Le deuxième, non. On est quasiment à la moitié de ce dernier carton. Rien n'est fait. Même si le Sénégal est devant, rien, absolument rien n'est fait. Allez, Mamoru, ça c'était difficile. Et il commet une faute derrière. Faute de Mamoru Mara sur Ibu Dianko Badji. Pierre Wallisen qui rentre à la place de Mustapha Mboup. Qui a bien mérité de se reposer un peu. Le petit meneur sénégalais, très bon joueur. Ouh, il nous a tenté une Nowitzki là, Babacar Sané. Allez, Diallo, Ibrahima Diallo pour la Guinée. L'écran de Keita. Diallo qui arrête son dribble. Kaba maintenant. Diallo, Kaba qui se lève à 3 points. Ça ne rentre pas. Rebond de Badji. So. Faute offensive. Faute offensive sifflée contre Ababacar Diop. Les Guinéens ont l'occasion à 4 minutes de la fin de revenir, de se rapprocher en tout cas. Keita. Mara. Diallo qui se lève, il est contré et derrière c'est lui qui commet la faute. Quelques rotations côté sénégalais. Ibrahima Diallo qui va sortir aussi côté guinéen. Allez, Sané. Il a un peu hésité. Sow. Ce sera une faute sifflée contre Mohamed Lamine Keïta de Guinée. Alors, on va nettoyer un tout petit peu le parquet. Veiller à la sécurité des joueurs, à l'intégrité physique de ces jeunes joueurs. Plein de talent, surtout plein d'avenir. Ce serait regrettable qu'une carrière s'arrête juste parce que le parquet était glissant.
Allez, Aboubakar Diop au lancer. Ça ne rentre pas. Un sur deux. Les barrières qui est de retour. Keita. Arafankaba. Toujours Kaba. C'est bien défendu. C'est bien défendu côté sénégalais. Ouh, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, les Guinéens. Ah non. Il y a encore une faute. Loose ball foul. Dommage, nouvelle faute guinéenne, hein, faute de Mambourou Mara. Et comme les Guinéens sont dans la pénalité, il y a deux lancers francs à suivre. Lancer franc pour Ibou Dianko Badji, l'Espagnol, joueur de la réserve du FC Barcelone. Promis en tout cas un très grand avenir. ,14 m. Meilleur rebondeur de ce tournoi. Il tourne à 12 points par match, 12,7 points par match et 12,3 rebonds. Allez, Mambourou Mara qui va s'enferrer dans la défense sénégalaise qui obtient une faute. Ils ont perdu leur jeu offensif, les Guinéens. Complètement. Allez, remise en jeu. Kaba. Kaba qui va y aller tout seul. Va chercher le contact, mais ça ne lui réussit pas. Nouveau rebond sénégalais. So. Ça c'est bien fait encore une fois. Oh là 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 là. Les Sénégalais qui nous font un récital offensif. Un coup c'est Badji, le coup d'après c'est Sow. Et puis quand c'est pas Sow, c'est Aboubakar Diop. Très très bien fait de la part des Sénégalais. Plus 10 désormais pour les Lionceaux de la Teranga. Une équipe sénégalaise très haute en taille, hein. Moyenne de taille d'1m97. Tout à l'heure j'avais dit un pied et trois orteils en finale. Maintenant ils ont un pied et quatre orteils en finale à 2 minutes 09 du terme. Allez, on est reparti côté guinéen. Kaba. Kaba, Mara. Mara, ça ne rentre pas. Rebond, Badji. Badji qui a fait un chantier au rebond. C'est sa spécialité. 14 rebonds pour Badji. Il est à 2 sur 6. 11 à l'évaluation, même s'il n'a mis que 6 points, il a fait un gros travail. 38 minutes de jeu, et il est quasiment pas sorti de la partie. Dianko Abdoulaye Badji. Beaucoup d'avenir pour ce jeune joueur, d'ailleurs pour la plupart d'entre eux. Wallisen. So pour Sen à 3 points, ça ne rentre pas. Rebond Kaba. Les barrières, la passe dans le trafic, ça ne rentre pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Keita.
Allez, on va réessayer dans le corner. Les barrières à 3 points. Il est court. Rebond offensif de Kaba. On va réessayer. Mamburu Mara. Ça rentre cette fois-ci. Ouh, il va faire du bien celui-là. À moins d'une minute du terme. Ça sent bon, bon, bon pour le Sénégal. Séné. Ah, ça c'est bien fait. Il a voulu mettre le couvercle là, Badji. Six secondes à jouer. 47 pour le Sénégal, 39 pour la Guinée. Les jeunes Guinéens qui ont complètement balbutié leur basket en seconde mi-temps. Mais c'est aussi cela, l'apprentissage. Il faut continuer de travailler. Il ne faut pas se décourager. Continuer de travailler, continuer d'avancer. On connaît le travail est en train de faire le président Sakoba Keïta et son bureau, le recrutement de Zeljko Zečević et de Philippe Sudre, justement, pour accompagner ces jeunes. La structuration des clubs aussi en Guinée. Toutes ces choses hein, qui vont permettre au basket guinéen, petit à petit, de gravir les marches et pour se hisser, pourquoi pas, hein, dans le haut du basket africain. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Les Sénégalais sont plus ou moins habitués, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Là aussi, il y a beaucoup de travail, beaucoup de détection. Le travail d'une équipe. Quelques anciens avec le DTN, Mustapha Gaye, qui travaille bien avec des coachs, l'équipe nationale, avec Boniface Ndong. Voilà. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est comme ça qu'on réussit. Du travail méthodique, du travail organisé. Allez, les dernières secondes. Les secondes qui vont confirmer la qualification des Lionceaux du Sénégal pour la finale du championnat d'Afrique des U18. Dans ce Cairo Stadium. Voilà, on ne va pas jouer la dernière possession. Bravo aux Lionceaux du Sénégal. Bravo aux jeunes Guinéens aussi. Ils n'ont pas démérité. La marche était trop haute ce soir. Mais ils ont l'avenir pour eux. Victoire du Sénégal sur la Guinée. 52 à 39. Le Sénégal est qualifié pour la finale. Contre qui? Contre qui désormais? Sera-ce l'Égypte? Sera-ce le Mali? Vous le saurez dans quelques instants. En tout cas, voilà, on a une équipe du Sénégal avec 40 minutes pour 7 points de Badji. Avec 15 rebonds pour une évaluation de 22, 13 points à Babacar Diop, Babacar Sané 10 points, Ablaye Sow 10 points, côté guinéen, Arafan Kaba 8 points, 15 Mamburu Mara, meilleur marqueur de la rencontre. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce match. Dans quelques instants, vous allez assister à la deuxième demi-finale qui va donc opposer le pays hôte, l'Égypte, au Mali. Le Mali qui, on le sait, est aussi une référence dans le basket des jeunes. Le Mali qui est vice-champion du monde dans la catégorie, qui a connu un début de championnat un peu chaotique. Mais on sait que les Maliens sont très très forts pour rebondir quand il s'agit des matchs couperés. Et on s'attend à une très très belle opposition entre l'Égypte et le Mali. C'est dans quelques instants.
À tout à l'heure.